On est parti, on n'a pas le temps parce qu'après faudra rentrer bien à l'heure parce que ce soir c'est l'Eclipsia Family. Il y a Hyper, Mikalo et Dark Funeral qui viennent d'arriver à l'instant. Je suis allé leur dire bonjour. On est reparti dans Far Cry, mesdames et messieurs. Et donc là, est-ce qu'on peut aller libérer des tours radio? Bon, on va quand même continuer l'histoire, histoire d'être sûr. Regardez ce que Paganil a fait. Quoi? Ah oui, bah il a niqué ton village, et alors? Et alors? Et rapide, saute à travers les rizières. Le 3-6 sur la tyrolienne, c'est très réaliste. Allez, on est dos, on se lâche. Hop, allez. Et là, petit quad en arrivant à la tyrolienne. Allez, hop là. Allons-y à l'attaque. Let's go. Donc il nous reste une grosse, une petite demi-heure de gameplay. Ça va faire une vidéo courte pour YouTube, ça. Catastrophe. Même un petit peu moins un petit peu moins d'une demi-heure parce que on va rendre un petit peu en avance, histoire d'être prêt, histoire de commencer pas trop en retard. Ça va commencer en retard l'équipe de la famille, c'est sûr. Histoire qu'on commence pas trop en retard. Allez, c'est parti. Donc là on va aller libérer je crois le premier camp. On a toujours que le petit flingue merdique, hein, le flingue de points qu'on nous a donné. C'est plutôt marrant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, stop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À gauche. Mais c'est bien sûr une... Ah. Bon, ça sert à rien. Mais c'est marrant. On y va. J'entends une voiture arriver. Ou alors c'est un voisin qui tend la pelouse. Tu passes à côté d'un mec. Bonjour. Bonjour. Énorme. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour. Montez dans cet escalier. Oh mais tout le monde fait que se plaindre. Tuer les gardes et sauver au moins deux otages. Oh ça va être chaud s'il faut sauver des gens. Je sais ce qu'on va faire, regardez. Vite l'appareil photo. Y'a que ça, vous êtes sûr? Oh merde, merde, merde! Ah, quand il lui fout des baffes et tout, très bien. Bonne ambiance en tout cas. C'est moi qui vise, hein. Meurs! Oh merde! Oh merde! Oh merde! Oh nice! Tiens, sauvé! T'es sauvé là, non? Tuer tous les gardes avant de... Oh non! Ah, ils s'en foutent! Ah, lui est allé pisser, lui, il s'en fout! Meurs! Tiens! Légolas, mon pote! Hop! Oh, j'ai raté! Oh, oh, oh. Non, non! Fais pas ça! Non mais j'ai raté, d'accord. Quoi, on est là? Oh non, c'est trop loin, c'est gavant. X. Montez. Moi je suis désolé mais le monde de Kirat, donc, parce qu'on est dans le monde de Kirat, ça me fera toujours penser à Pirate de la pub Tipiak. Pirate. Le monde de Kirat. Kirat. Alors, il y a 4 otages dans ce village. Il faut essayer de tous les sauver, mais je n'ai pas de flingue. Enfin si j'ai un flingue, j'ai ça. L'otage va mourir avec, regardez. Attention. Ah non. Oh non. Moi aussi je sais le faire. Ok, c'est de la merde, je vais crever. Ah, je suis trop nul. Je déteste être nul, putain. Je déteste être nul aux jeux vidéo, je suis tellement nul. On y va, on continue, on repart. Je suis tellement nul.
Putain, ça me saoule d'être nul. C'est la manette. Mais j'assume. J'assume. D'accord. À l'attaque. On y va, on y va, on y va. Allons-y. Kirat. Ouais, là par contre il a pété un câble mon personnage avec le... D'accord. Non mais en fait c'est juste qu'à l'arc... À l'arc c'est chaud en fait. C'est juste ça en fait. Attendez, attendez, attendez. Viens un chien, on les punit. Ils ont fini de râler, de pleurer tout le temps. C'est bien les otages, t'as toujours à râler. Mais qu'on rime. Ah les otages, toujours les mêmes. Non mais c'est chaud en fait, parce qu'ils sont quand même à la méga opposée de ouf. Là-bas, il y a deux otages collés. Je vais essayer de sauver ces deux-là. Ce sera plus simple. Faut être discret. Ouais, non, mais... Sinon, truc de MVP de ouf. Je lance la grenade là et je tue à l'arc, lui. Genre, tac. Et là... Meurs. Putain, je l'ai pas eu, merde. Non, la bute pas, s'il te plaît. Voilà! Putain, ils ont. Ah oui, mais j'ai grenade l'otage! Oh putain! J'ai grenadé l'otage, mais putain, mais quel débile mental! Je déteste les missions, il faut sauver des gens, les épargnants, ça n'a aucun sens. Pardon, ça n'a pas aucun sens, mais ça n'est pas ma définition de ce truc. Genre de jeu. J'ai fait meurs le garde, l'otage. Non mais pardon. Et si on la tente en mode Osef bonjour. Alors, la technique Osef bonjour est une technique très simple. Ça consiste à foncer. Chut. Ne faites pas de bruit, cette chose pourrait nous entendre. Chut. Ça va le faire, ça va le faire. Chut. Il s'est pas vu lui, c'est bon. Mais c'est cool! Parce que moi je croyais que quand on exécutait le premier, ça allait attirer le deuxième. Ah non, mais c'est bon alors! Ah bah dans ce cas, bonjour! Il y en a un qui patrouille. La prochaine fois, faudra enlever quelqu'un qui a un minimum de thunes. Pourquoi tu ne parles pas? Parle mal lui. Lui parle mal, il m'énerve. Bon, il y a peut-être un mec à droite qui va me voir, c'est pas grave. Je vais voir un mec par là. Ils peuvent pas payer cher. Mais on va sauver les 4 gardes. Est-ce que c'est pas de la MVP en ça? Ah bon? On va peut-être pas sauver les 4 en fait. Eh mais lui il est pas très sympa lui hein. Mais oh! Comment tu parles à ton père? Bon, ça va? C'est tout ce que j'ai. 4500 boulets! Putain, j'ai bien fait de. Oh là là! Oh, j'ai bien fait de sauver les 4! Il cherchait à accomplir en fondant le sentier d'or. Aider son peuple. Écoute, ouais, moi je suis pas venu là pour mon père, ni pour tout ça. Tu peux vraiment être. Attends, mais tu peux pas te déplacer avec tes jambes de merde? Je sais que je t'en demande beaucoup, mais en aidant le sentier d'or, tu arriveras à Lakshmana. Je te le promets. On trouvera ensemble. Merci, Saral. Vous l'avez mérité. Mission terminée, négociateur. C'est vrai que là, je suis très négociateur.
Vraiment. AJ, c'est Amita. Je sais que Sabal t'a envoyé libérer les otages au lieu d'aller reprendre l'avant-poste. Je comprends. T'es nouveau ici et Sabal peut être très persuasif. Je voulais juste aider un peu. Et j'apprécie ton dévouement. Mais tu dois avoir plus de recul. J'avais tout mis en place pour qu'on puisse s'occuper de l'avant-poste. Et maintenant, je dois briefer mes soldats pour qu'ils protègent les otages que tu as sauvés. Les protéger de quoi? De pleurs. Ils n'aiment pas perdre ces joujoux. Tu comprends pas, AJ? Quoi? On avait un plan. Et quoi? Maintenant, il est foutu. Pourquoi sa voix n'est plus au téléphone? Il faut un temps avant de pouvoir réattaquer Paul. Et en attendant, les soldats ennemis installés dans l'avant-poste vont pouvoir se barricader. C'est parce que je la vois là? Si je peux empêcher ça. AJ, l'avant-poste tout seul, c'est du suicide. Attends qu'on puisse envoyer des renforts. Je peux y arriver, Amita. AJ, non. Oh putain. Oh, alors ça, c'était trop marrant. Oh, ça, c'était trop marrant. Alors ça, vraiment, c'était trop marrant. AJ, il va falloir sauver l'avant-poste. Mais c'est du suicide. Donc ce qu'on va faire, à la limite, c'est que tu pourrais sauver les otages. Mais surtout, n'y va pas tout seul, d'accord? Oh putain. Oh putain, oh là là. Pouf. Oh là là, très drôle. Ah, Ubisoft, vraiment, hein, premier sur l'humour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas genre un lance-roquette? Pas du tout. AJ, c'est AJ, une canne pour... AJ. Qu'est-ce qu'il veut? Oui. Super. C'était seulement pour vérifier que t'étais bien là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, la sauce! Oh, ils me mettent la sauce! Ah! Non, me tue pas, s'il te plaît! Quoi? Qu'est-ce qui m'a buté? C'est un putain de garde qui était derrière! Super. Super, merci beaucoup. Ouh! 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 Ok. C'est peut-être un peu violent. Super, hein, merci vraiment. Merci à tous. Ah, une voiture! Allez, vas-y. Oh putain! Tiens, meurs! Meurs, homme nu! Alors, je vais faire le tour! Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Alors? Alors? Alors, alors, alors? Alors? Je vais te démonter! Alors? Alors, alors, alors? 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 Hop! Ah! À couvert! Hop! Je suis là! Alors? Alors, alors, alors? Hop! Alors? Hop, 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 hop! Non, 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 non! Non, mais reviens! Non, mais putain! Pas de fun, pas de fun sur ce personnage. Oh putain, l'arc! Heure! Oh, regardez, il fuit lui aussi! Lui, le hydre, regardez! Oh. Oh, j'en ai marre toutes ces soirées qu'on fait là-bas, j'en peux plus. Préservatif! J'ai trouvé des préservatifs! À quoi ça sert? Dans le jeu, dans la vraie vie, je sais. Ça sert à se protéger afin d'éviter les MST, mais aussi la contraception. Pirati Royal. Très bien. Je sais pas où il faut aller, il faut aller là-bas. J'ai trouvé des préservatifs, non mais c'est bien. Comme ça, s'il arrive que je couche avec une demoiselle pour une raison X ou Y, ou pour une mission ou quoi que ce soit, ou un homme même, qui sait, mon personnage est peut-être homosexuel, que sais-je, eh bien je pourrais me protéger. Voilà. Meurs la voiture. Putain, c'était tellement James Bond, ça, vous avez eu ça? Vous avez eu ça, quoi? Il envoie la... Il envoie la voiture dans la... Putain, je suis un malade. Non mais là, vraiment, non mais là... Là, il y a du putain de level, quoi. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. C'est un truc de ouf. Alors, avant-poste. Hein? Si vous libérez l'avant-poste sans déclencher l'alarme ou sans être repéré, vous recevrez un bonus d'XP. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être si vous libérez un avant-poste... Oh! Oh my god, look at this. C'est Booba. Ah si, Booba. Il y a déjà un éléphant mort là. Ça c'est un bug, ça. Non. Oh là 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 là. Allons sur l'éléphant. On évite la contraception avec le préservatif. Ah merde, j'ai dit ça. Pardon. C'est un moyen de contraception, pardon. On évite la contraception.
Je voulais dire on évite la conception. Et du coup j'ai dit contraception. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Faut pas monter dessus. Désactivez ou détruisez l'alarme. Eh vas-y, eh. J'aurais tout mon poids sur la gueule. J'aurais tout mon poids sur la gueule, t'es insupportable. Eh non mais l'éléphant là. Eh comment ça va? Ici. Et putain. Comment on fait? Oh nice. Mais non. Mais non. Mais de quoi? Mais de quoi? Mais à quelle heure? Mais de... Oh son père, la puissance. Ils sont au gère. Ils sont au gère. Libérez les animaux. Il les a pas? Il les a pas. Alors la puissance de la nature. Il est où? Il est où le bâtiment? Alors la puissance de la nature. J'invoque la jungle. Mais la jungle arrive. Regardez-le lui, regardez-le lui. Il se croit en sécurité? Pas du tout. Waouh. À moi la jungle. Qu'est-ce qu'il veut lui? Vite, il faut ouvrir le portail. Waouh. La mort. Quoi? Cheater. Putain. À moi la jungle. Avant-poste de libérer une pirate. Bazar de Kremel. Bon, cela dit... Cela dit, comment ça s'est passé pour Booba, là? Parce qu'il y a eu un réel problème. Cinématique! D'abord les otages, maintenant l'avant-poste. Tu n'écoutes vraiment rien, AJ, mais je dois admettre que... tu as fait du bon travail. Merci. Ouais. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Ta mère serait fière. Tu veux aller où, déjà? À Lakshmana? Le voyage ne sera pas simple. Ouais. Le Nord est aux mains de Paganmin depuis des années, et ici, on se bat comme on peut. J'ai promis à ma mère de rapporter ses cendres. C'est sa dernière volonté. Réfléchis bien, AJ. Ta mère savait exactement ce qui se passerait à ton arrivée au Kirat. Le fils de Mohan Gale revient dans son pays natal en pleine guerre civile. Ishwari savait ce qu'elle faisait. Alors, franchement... Ta présence ici... Je vous en parle et l'aide après. Que tu apportes ne sont pas un hasard. Bats-toi avec nous, AJ. Rejoins le Sentier d'Or et je te le promets, tu exauceras le dernier vœu de ta mère. Que ce soit en dispersant ses cendres à Lakshmana, ou en gagnant la guerre, en réalisant quelque chose de plus grand. Est-ce que mes parents ont vraiment fondé le Sentier d'Or? Oui, c'est vrai. Ils voulaient libérer le Kirat du régime de Mine. Tu as l'occasion de nous aider à finir ce qu'ils ont commencé. Alors, réfléchis bien, AJ. Pourquoi vous nous dites d'utiliser le préservatif? Elle ne veut pas coucher avec nous, elle discute et elle nous briefe sur la mission. Maman, je crois que je vais rester. Alors voilà, j'allais vous parler de ça justement. Alors, pause. Non, pas pause, je vais faire ça en avançant. J'espère... Vous avez débloqué le jeu en coop. Ouais, c'est ça. Génial, j'ai failli crever à cause d'une cinématique. Ici commence l'inconnu, la mission qui nous a été confiée. Donc là, on arrive dans l'open world. C'est ici que nous amenait... C'est ici que le jeu commençait quand on a testé le jeu avec Ubisoft dans le truc où ils avaient invité la presse et les youtubeurs. Parce qu'en fait, l'open world était débloqué à partir de là. Et donc, ils nous avaient dit il y a à peu près une heure de jeu avant. Et donc, c'était à peu près ça. Juste un truc, j'espère juste qu'on va pas coucher ou sortir ou embrasser ou quoi que ce soit cette fille. Parce que je trouverais ça un peu simple. On s'y attend tous. Tout le monde en a envie. Je trouverais ça justement... Enfin, je vois les gens sur le chat. Sors ton préservatif que t'as trouvé avant et tout. Je trouverais que ce serait une bonne surprise si justement on ne couchait pas avec cette fille là. Parce que dans Far Cry, Far Cry 3, nous couchions avec la chef des rebelles et nous qui. Et d'ailleurs, à la suite de cet acte sexuel, nous devenions un dieu. Une sorte de demi-dieu avec des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Et donc voilà, et donc j'espère. Ou alors j'espère qu'on aura le choix à la limite. Un jour peut-être la trahir, ou alors se mettre avec elle, ou ce genre de truc. Mais j'espère que ce sera pas aussi obvious que ça en a l'air. Ce serait dommage, je trouve. Bonjour. Bonjour. Ah oui, d'accord, donc je n'existe pas pour vous, c'est ça?
Ouais, c'est ça, je préfère. Baisse les yeux. On ne peut pas échapper à cette chaleur. Ouais, sans deck. Crève de chaud ici. On va essayer de libérer une tour radio, mais non, je pense qu'on n'aura pas le temps. Je pense qu'on n'aura pas le temps de libérer cette tour radio qui est un peu loin. Je voulais aller ici. J'aimerais bien y aller. J'aimerais bien y aller, mais je pense qu'on n'aura pas le temps parce qu'il est déjà 50. J'ai pas envie de... Ah, j'ai pas envie de faire de la merde. J'ai vraiment pas envie de rendre le stream en retard. Allez! Putain, je suis une machine, quoi. Eh ouais, je récupère mes flèches. Nice, salut! Alors, voyons voir. Là, il y a des. Ok, il y avait des potes! Eh, vous êtes au courant qu'il y avait des méchants derrière? Je t'ai manqué? Ouais, c'est ça, je t'ai manqué au cul. Ah, la première tour radio de Kirot. Un aigle, c'est bon, il s'occupe de l'aigle. Bonjour. Ouais, y'a un aigle, hein. Faites vraiment gaffe à l'aigle. Faites très gaffe à l'aigle, hein, les gars. Vraiment. Ah. Attendez, stop. Meurs. J'ai plus de balles. Oh non, j'ai plus de balles. Tant pis! Est-ce que je vais crever à votre avis? Non, ça devrait être. C'est bon! Heureusement qu'il y avait l'aigle, hein, putain! Position de mitraillette, sac de riz. Ici! Vaut pas mieux qu'un clébard. Occupez-vous de l'aigle, hein, surtout vraiment! Attention à l'aigle, hein, les gars! Attention à l'aigle, hein, évidemment. La merde. Ah. Oh putain, non. Je rigolais pour l'aigle, ça va. Putain, je me suis planté sur la grenade. Ah, monte. J'ai plus de balles. Faut pas que je tombe. C'est par où, merde. Ah là. Vite. Ah, ils sont en dessous, ça me rend ouf. Soigne-toi, Robert. Toujours aussi discret, c'est attends. Oui. C'est important, la discrétion. Je peux pas recharger. Ah si, je peux recharger, j'ai des balles. Mais je vais essayer de le faire sans tuer aucun ennemi. Ça va le faire. Ah, ça y est. Ah oui, d'accord. Et voilà, piratage de la diffusion en direct. Clocher libéré, 2 sur 17, j'espère qu'on va pas mourir pendant la cinématique. Josiane, grâce à ce nouveau clocher sur les 17 manquants, vous débloquerez en premier lieu la maison de Pramine, un lieu gentil dans lequel vous aurez des otages à libérer. Vous aurez également les salles des larmes de Satish dans lesquelles on brûle des corps, mais ne vous inquiétez pas, ça ne sent pas mauvais. Vous aurez au final le repère du tigre dans lequel vous pourrez aller chasser l'animal dangereux aux rayures multicolores. Et il n'y a plus de soldats parce que ce jeu est formidable. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire sortir aucun ennemi, car nous sommes des cheaters. Descendons la tyrolienne en mode beau gosse en faisant des 3-6. On peut faire 3-6. J'ai pas pu faire de 3-6. Prenez l'argent. Ça va pas la tête. Ah, ils sont encore là. J'ai menti, ils sont encore là en fait. Ah, fuyez. Jusqu'au dernier. Compétences. Nous avons des compétences à attribuer pendant que nous faisons tirer dessus. Allons-y. Pille automatiquement votre cible. Ok. Lancer une exécution, puis appuyer sur lancer son couteau sur un autre. Ça, c'est rigolo. Sauter ou tomber sur un ennemi situé au-dessus de vous pour l'exécuter. Ouais, Death from above, quoi. Appuyer sur X pour recharger une arme en sprintant. Ça, c'est bien. On va prendre ça. Ça coûte 2. Il me reste 1. Vous pouvez viser et tirer avec n'importe quelle arme de poing. Non, c'est de la merde. Les véhicules peuvent subir plus de dégâts avant de nécessiter des réparations. Ah, ça, c'est formidable pour le quad. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on aura vite tout. Donc c'est nickel. Alors, sauvegardons et barrons-nous. Sauvegarder et quitter.
Et voilà ! Revenons au menu principal. C'était le début de Far Cry. C'est un truc de ouf. J'espère que ça va continuer. On va faire pas mal de ce jeu pendant... pendant mes lives. Bon, on fera pas que ça, évidemment. On fera genre minimum 2 lives par semaine. Parce que vous savez que maintenant, il y a 3 errateurs qui font des trucs. Un Independence Day et une Rocket Tard. Donc l'Independence Day, bien sûr, il n'y aura pas de Far Cry. Et c'est demain, d'ailleurs, l'Independence Day. Mais pour les... Pour les errateurs font des trucs, on fera beaucoup de Far Cry. Dans un premier temps, en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi ce live, j'espère que ça vous a plu. Il y aura la rediffusion sur YouTube, bien sûr. Alors, j'ai pas mis les réseaux sociaux sur cette scène. Voilà, les réseaux sociaux, parlons-en, c'est très simple. Vous me suivez sur Zerator SC2, hein. Et puis voilà, il y a toutes les rediffs sur YouTube, il y a le Rush WoW qui arrive également. J'espère que ça vous plaît et que ça vous plaira. On a bien rigolé tous ensemble. Merci à tous, tout de suite, c'est l'Eclipsia Family qui commence avec Hypierre, Mikalo et Dark Funeral en invité spécial. On a aussi moi en capitaine d'équipe, Hypierre en capitaine d'équipe, Skyheart en capitaine d'équipe et Jiraya en capitaine d'équipe. Tout le monde va jouer à tous les jeux, il y aura plus de 5-6 jeux vidéo et des jeux IRL. Ça va être ouf. Voilà. Je vous en dis pas plus, on vous a réservé... pas mal de choses, j'espère que tout va fonctionner. Soyez indulgents, s'il y a un petit peu de retard et des choses qui marchent pas, on est plus d'une vingtaine à bosser ce soir sur ce projet là, ça va être un petit peu le bordel, mais c'est pas grave, ça va être cool. Merci à tous, salut à tous, ciao, bye bye. Et là il faut que je coupe le truc, voilà.